Allez, les concurrents sont sous les ordres du starter. Départ imminent. Départ donc pour la Destrier Junior Cup. Il s'agit d'une course plateau à distance de 1600 mètres. Alors qu'on s'est très bien annoncé avec Cosworth Perus qui a pris l'avantage. Bon, bien, lui contester cet avantage que des cordes avec King Kinadazé. Qui n'est pas loin à Cosworth Perus, est au centre du peloton devant Small et Miss Ming qui patiente pour l'instant à l'arrière-garde du peloton. Les concurrents qui vont passer devant les tribunes et franchir la première rue du parcours avec King Kinadazé. Qui a pris l'avantage alors qu'on vient en seconde position avec Vitamine Debré qui n'est pas loin du tout. On est en troisième position avec Cosworth Perus juste devant Cosworth Perus, Smolen Nisping et King Kinadazé qui va maintenant rétrograder à l'arrière-garde. Les concurrents qui sont dans le tournant et c'est toujours Vitamine Debré. Je m'en peu devant King Kinadazé qui est deuxième à l'extérieur, un petit peu plus loin, chaque si l'on regarde plus loin. Nous retrouvons Cosworth Perus juste devant Cosworth Perus, Smolen Nisping. Patiente et c'est Cosworth Clarissa qui ferme la marche du peloton. Ils ont franchi une nouvelle haie, ils se dirigent dans la ligne opposée. Les écarts qui se creusent dans cette épreuve extrêmement vite avec Vitamine Debré et King Kinadazé. 5, 6, 7, on regarde plus loin. Nous retrouvons Cosworth Perus, Cosworth Perus, Cosworth Clarissa qui vient maintenant de progresser, qui est en avant-dernière position. C'est Smolen Nisming avec François Nicole qui ferme la marche du peloton. On est au milieu de la ligne d'en face avec toujours Vitamine Debré qui emmène le peloton. Il n'y a rien d'avance maintenant. Sur King Kinadazé qui en possède, elle, bien une dizaine sur Cosworth Perus qui ramène le peloton avec Valentin Leclerc juste devant Cosworth Perus. Cosworth Clarissa progresse bien également, alors que nettement plus loin nous retrouvons Smolen Nisming. Les concurrents qui ont franchi une nouvelle haie dans le tournant et toujours un cavalier seul dans cette épreuve. Vitamine Debré qui a toujours 5-6 longueurs d'avance sur King Kinadazé qui vient deuxième. Cosworth Perus qui produit son effort maintenant à l'extérieur en troisième position et qui vient avec Cosworth Perus qui n'est pas loin. Cosworth Clarissa est là également. Non, les concurrents qui vont franchir la dernière haie. Et oui, c'est fait maintenant pour Vitamine Debré qui repart de plus belle et qui va essayer de vivre sur son avance ce qu'elle semble faire. Vitamine Debré qui réalise un véritable cavalier seul dans cette épreuve et qui va s'imposer avec 5 longueurs d'avance. King Kinadazé est deuxième. Cosworth Clarissa est courageuse troisième juste devant Cosworth Perus. Le numéro 5 qui est troisième, c'est Cosworth Perus qui est quatrième. Smolen Nisming débordé dans le parcours termine courageusement son parcours à la cinquième place.